Gros remerciement pour eux qui fait déplacement. Je dis à nous sentir nous fiers et nous dit Arabe la libéré, nous dit tout ça qu'a bien pour dire, Arabe la bien pour dire, nous avons invité la presse là-dedans nos conférences. Merci en pile Frémio et équipe Arabe la fière de nous. Alors nous pouvons toujours approuver pour nous. Et maintenant libération Arabe là, nous-mêmes nous avons un message ça très clair. Nous dit nèg, je dis à qui prend. Et dossier peuple là pour prendre choix le bataille pour y dire c'est eux même qui te c'est eux même qui te c'est là c'est eux qui t'a bataille pour peuple et je dis à eux ouais après toute bataille arabe là t'a fait pour libérer le pays d'Haïti libérez nous je dis à la parler pour ça qui fait bio les ghetto pour nous joindre l'hôpital pour nous joindre santé pour nous joindre route continuez à montrer tout ça président Jovenel Moïse te fait dans le pays là mande justice pour président Jovenel Moïse et bien persécution te vient joindre c'est prison je dis à nous connaît prison écrasé arabe là t'es évacué quoi et mais je Arabe la jeune libération, n'a pas dit Moïse Jochal, n'a pas dit Claude Joseph, c'est bien compté mal calculé, pénitentiaire, Arabe la papa pénitentiaire encore, parce que je dis à nous jeune libération, légitime défense nous, c'est que vous m'avez dit. Et mais ça lié pour nous, son fierté pour nous, n'a pas continué la bataille, n'a pas toujours continué à côté peuple haïtien pour jusqu'à ce que nous jouons une nouvelle Haïti. Voilà, ça c'est Arabe même qui est dans la machine à la zone. Bataille pour l'autre Haïti, pour l'autre jeunesse, et puis justice là ne va pas camper. Nous avons une conférence de presse pour la nous avons une date là, nous avons planifié là. Nous avons une bataille pour nous. Nous n'avons pas faire lâche. Nous avons une bataille. 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 Pour qui ça? Parce que je dis à faire un an depuis que les gars ont commencé à mettre nous dehors vraiment dans la café. Donc 13 août 2024, ça a un pile mauvais souvenir qui vient dans l'esprit. Lorsque nous changeons, madame
petit frère nous, amis nous, qui mourit dans le cadre d'envahissement de Negaméo. Donc ça fait nous mal, ça fait nous convoquer la presse pour nous dresser un tableau qui est vraiment sombre de situation de Mounkavoufeuille. Les nappes de Mounkavoufeuille, nous avons plusieurs catégories de monde. Il y a des gens qui sont déplacés, qui viennent dans l'abri. Il y a des gens qui sont déplacés, qui ont le caille. Et il y a des gens qui sont déplacés, c'est la descente qui a fait le caille. Donc, les gens qui sont dans l'abri, nous même qui sommes allés sur nous, la nouvelle. La situation est vraiment compliquée, surtout dans nos périodes cycloniques. Donc, le plus gros ennemi qui est dans l'abri, c'est l'abri. Les labri sont tombés. Les gens qui sont dans l'abri, c'est la pluie qui a fini de passer. Ils sont capables de tenter de sécher côté l'eau, mouillée pour être capable de continuer. Donc c'est la pluie qui a fini de passer. À 14 du matin, ils sont obligés, c'est à 14 du matin, vous y allez. Donc la situation est vraiment compliquée pour les gens qui sont dans l'abri. En plus, imaginez-vous, mes chers, le premier ministre, le premier côté de visiter, il vient dans samedi, dans dimanche, le premier côté de visiter, c'est ici, dans l'ICE de Vévé. Donc, vous comprenez, le premier ministre vini, il débat que nous espace côté il connaît qu'il y a un problème. Donc, le monde sait qu'il y a un problème. Ça, maintenant, c'est qu'il y a espoir. Il y a la vie. Parce que moi, j'étais là, moi, j'étais présent. Une grande déclaration que le ministre a fait, il dit comme ça. Si je viens là, c'est le premier côté ministre, ça ne fait pas qu'il y a un problème. Mais, mes amis, nous tout connaissons. Si le premier ministre a fait un bagage pour les gens qui déplacent, nous avons tout point. Depuis le premier ministre de là, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. C'est espoir sur espoir. Le bon message de la Premier ministre, c'est méchant. C'est méchant lorsque vous jouez à espoir monde qui est dans une situation difficile, alors que nous avons une position pour aider les gens. C'est comme si nous avons dit, pour nous, nous avons travaillé, nous avons bien touché, nous avons promis tout le monde 1000 gouttes dans le mois. Et puis, les mois arrivés, nous avons dit, nous avons occupé nous-mêmes. Donc, ça a dit vraiment la Premier ministre, nous avons progressé. Et puis, Gagné est président CPA, en l'occurrence M. Edgar Leblanc, qui font déclaration à l'étranger, qui dit que centre-ville Port-au-Prince, les fonctionnels à même 80%. C'est absurde. Nous-mêmes, journalistes, on l'a eu à nous constater. Centre-ville Port-au-Prince n'est pas même sur 2 km², comme on dit 1 km². Parce que c'est Bois-Vernat et la lune, toute centre-ville Port-au-Prince est concentré. C'est absurde pour le Premier ministre. Et monsieur le président du CP. Centre-ville, Port-au-Prince, c'est pareil. Pas de rien qui change. Lorsque je m'a regardé en bas, Bagala était encore compliqué. Donc, nous-mêmes qui déplacons Carrefour, qui allons enfermer les cailles, ça va faire nous un an là. Après un an, pour nous relouer Canada. Il y a un pile dans nous qui dans cette situation. Ça. Un pays qui n'a pas fonctionné. Comptez pour nous faire une COP, puis relouer Canada encore. Il y a des gens qui le caillent pour 2000 dollars américains. Peut-être son ami, peut-être son famille qui était sensibilisé les situations de fait qui viennent de Carrefour, qui était essayé de collecter un petit moyen pour te voir la Mounsa le caille. Mais je dis à la loi qui est arrivée, à qui moyen Mounsa le caille, vous en faites le caille pour aller ça encore. Situation libérée. Il y a des gens qui ont fait 2-3 jours quand on a mis, quand on a fait, mais nous comptons pas la loi. Nous n'avons pas même des pressions pas déjà la supporter. Voilà que. Car elle a vu plus pour nous la donner. Donc parfois, vous ne savez pas méchant, méchant. Si que l'apprécier des comportements envers Mounsa a diminué. Mounsa a lui-même dit qu'on s'est indigné. Mounsa a dit qu'on bouquet. Et nous voyons Mounsa qui mourit. Indignation sur Mounsa. Parce que, imaginez-vous, Mounsa fait 20 ans, 30 ans de travail. Mounsa a une belle Kaïli. Et puis, entre 4 matins, il fait du Kaïli pour la faire. La deuxième Kaïli, Mounsa a dit qu'il y a un bal gens. Après la Mounsa, nous perdons. Nous connaissons des amis, des familles, nous perdons. Donc, c'est pour nous dire, la presse en général, aidez-nous, continuez, portez parole là pour nous, continuez à faire voir nous passer. Pour monsieur, dame, qui est dans le gouvernement, continuez à faire voir. Parce que nous-mêmes, nous avons des amis, nous avons des condisciples, des camarades, qui sont proches du gouvernement. Là, nous ne sommes pas là avec eux. Nous disons, comment est-ce que vous avez fait ce que vous faites là au niveau du gouvernement. Nous disons, ce que vous faites là, il ne va pas aller du tout dans le gouvernement. Imaginez-vous qu'il y a des dizaines de milliers de monde qui dehors, il y a des milliers de cailles qui abandonnent, le gouvernement ça va dire rien du tout. Donc, au monde qui sont dirigeants, dans la pyramide masse, peut-être bon niveau d'accomplissement, même une satisfaction morale, vous devez faire fort pour atteindre. Vous avez dit tout, mais si tu n'as pas de dirigeant, et puis pour le monde qui a continué à vivre ça, pour le monde qui a fait un peu de dirigeant, au moins, font geste.
Donc, encore une fois, c'est ça la situation à Kafoufei. C'est ça la situation des déplacés de Kafoufei. Mais à Kafoufei, comment ça est? Peut-être en pile, nous ne la connaissons. Nous partons de mon abdi, nous tournons la carrière de Kafoufei. Mais nous qui tournons la carrière de Kafoufei, c'est parce que l'État lui-même est aveuglé. Intelligence, nous savons qui fait tourner Kafoufei. C'est ça que nous disons ça. Nous n'allons pas réfléchir assez pour le dire. Mais il n'y a pas qu'à vivre avec des hommes armés sans présence de l'État. Parce que, monsieur armé, le déplacement est très très limité. Il y a des côtés où il n'y a pas qu'à aller, il n'y a pas de travail. Donc, les fins, épuisé tout ça, mais le principal ressource que vous avez, vous m'avez dit seulement que vous avez, c'est mon gars qui vient côté. C'est ce qu'on a dit. Mon cas où vous êtes dans la carrière, il faut être très prudent, il faut être très vigilant parce que c'est vrai. Notre temps zéro, on n'est pas arrivé. Mais, n'entendez deux. Par contre, ça arrive, il faut que nous soyons très vigilants. Ça qu'on a continuellement de l'État, encore une fois, prendre des mesures, prendre des dispositions pour capable faire nous retourner la caillou en toute sécurité. Donc, il y a une catégorie de monde qui n'a pas brûlé, n'a pas gardé, ça fait nous mal en ville. Ce sont les enfants. Ça fait nous mal parce que si nous avons ouvert, ils sont victimes d'une fois. Ils ne sont pas la caillou, ils sont déjà allés à l'école là, moi, allé à l'école à privé là encore, ils ne sont pas contre qui c'est pour eux. Donc, c'est ça que fait. Nous avons des amis, nous avons des camarades, nous avons des sous qui prennent interview sur ça. Sur question de tout le monde de l'école. Nous avons des camarades qui nous ont dit que le DPM était présent là, il était venu là pour nous aider dans des situations. Un, deux, trois, quatre, qui ça te promet jusqu'à présent, il va réaliser. Vous avez une question pour moi, s'il vous plaît? Ça fait 3 mois, depuis qu'il y a des villes là, il était dit que nous avons des villes pour des situations, il n'y a pas respecté. Qui ça te promet nous? Nous-mêmes. Les déplacés de Kafoufei, nous avons marché à faire en mémoire de tout le monde que nous avons perdu dans Kafoufei. C'est ça que fait nous prendre un bâton pèlerinage. Nous avons essayé de sensibiliser les zones avoisinantes pour faire venir jouer nous. Pour nous faire un seul, pour nous parler avec nous chez l'État. Notamment, nous connaissons des zones qui ne sont pas vraiment touchées par l'insécurité à Jean Kafoufei frappé. Et nous prenons un monde canapé d'œil. Il n'est pas vraiment touché par l'insécurité. Mais nous faisons pile parler. Nous faisons pile parler pour nous voir comment nous sommes rejoints ensemble avec nous. 2014 sous cabinet là, mon canapé vert qui est en bas les belles du 109, qui sont un regroupement d'organisation de canapé vert. Et nous allons mettre tête nous ensemble pour nous organiser Massa. Les déplacés de Kafoufei et canapé vert en bas les belles du 109. Demain, cap 14 là, nous avons fait un match, nous avons gagné deux têtes. Nous avons sorti dans le cap Jean-Paul II et le cap Oua, et nous avons sorti sur place canapé vert. Femme, dis-nous bien, messieurs, dames, dans la presse. Nous avons une pile pression, pas qu'elle est difficile. Nous avons une pile pression qui a fait sur nous pour nous faire passer. Nous avons un état d'urgence sur état d'urgence qui a répété. Mais qui ça qui fait un moment état d'urgence? Rien n'est fait. Alors, ce qu'il y a fait pression sur nous pour nous faire marcher, ça signifie ça. On prend une balle, on a abri, on pas qu'à manger, l'eau est arrivée sur nous, en plus, il n'y a pas de parler. C'est ça la situation. Ça fait demandé la presse encore une fois, accompagnez-nous. Faites un message à passer, encouragez les gens qui sont capables de venir dans Massa, parce que Massa n'a fait là, c'est pas un match seulement pour les déplacer de Kafoufei. Parce que je ne dis pas là, c'est mon café d'ailleurs, demain si je veux capable de canapé vert. Demain, si je veux capable de moun Pétionville. Donc, ces revendications, tout le monde a fait passer. Parce que nous-mêmes, dans le Kafoufei, nous sommes victimes déjà. Et dans le moment où j'ai apporté que gagner des médias, des gens qui ont dit que tout le monde qui était dans le Kafoufei, c'est bandit. Oui. Nous disons non, ce n'est pas de vie. Démontrer ça, c'est ça que nous avons fait, nous avons démantelé dans le TGA. Mais c'est même dans tout. Nous connaissons des jeunes dans le quartier populaire, côté M. Améouya. Nous connaissons des innocents là-dedans. Moun ça a tout. N'a demandé justice pour eux parce que ce n'est pas possible parce que nos jeunes étaient mentissants, parce que les jeunes étaient Badelma. Automatiquement, pour dire son bandit qui est lié, les gens n'ont pas un canapé vert, les gens canapé vert n'ont pas un mentissant, pas continuer comme ça. Parce que, monsieur, dame, politicien, monsieur, dame qui a dirigé l'État, tant pis sur vous. Responsabilité, parce que jeunesse, ça, ce n'est pas ça qui a besoin. Ce n'est pas une actuellement là qui a besoin. Nous mettons du travail, nous mettons de l'éducation pour nous capables de participer dans le développement pays. Encore une fois, rendez-vous demain si je veux, 14 août, pour nous faire Massa, pour nous poser nous sur l'état question. Destination, c'est quoi lui? Donc, destination, c'est. Non, nous ne pouvons pas dire dans la presse. Nous avons une raison stratégique pour ça.
Mais nous avons la presse à pas accompagner nous, mais nous avons des stratégies parce que nous sommes dit nous. Il y a une pile pression qu'on fait pour nous poser ma savane. Donc, destination, la presse va avec nous.